Alors, les 7 actu F1 du 30 mai 2023. Wolff se dresse contre une éventuelle balance de performance en F1. En gros, il veut que ça reste comme c'est maintenant, quoi, au mérite, grosso modo. Sainz regrette la forme de ses critiques, mais pas le fond des critiques donc de Monaco par rapport à Ferrari. Et la stratégie. Brundle veut voir Hamilton chez Ferrari pour qu'il fasse comme Schumacher. Ah bah les journalistes, ils attendent que ça, hein, clairement. Safnauer, heureux du podium d'Ocon à Monaco, une journée brillante pour lui. Bon, attention à ne pas se reposer sur les lauriers, évidemment. C'était spécial Monaco. Puis il a fait le boulot en qualif, hein, évidemment. Mais il est bien géré aussi sous la pluie et tout. Verstappen est troisième du classement des athlètes de moins de 25 ans au niveau du salaire. Anyway, si le règlement reste comme ça, les fins 2026 seront les plus lentes de l'histoire. Alors à quel point les plus lentes, il le dit pas, ça. Dommage. Wolff, les rumeurs Hamilton chez Ferrari ont été lancées pour faire monter les enchères. Mais qui a fait ça? Réponse. Peut-être un jour. À demain. Ciao.